Nous avons donc, comme je vous l'avais dit, Jean-Michel, qui fait partie de l'émission Les Maudits, qui est là ce soir avec nous et qui va nous parler du problème de l'anarchie et de la franc-maçonnerie. Merci. Voilà, alors le morceau que vous venez d'entendre, c'est évidemment le célèbre air d'Imagine que tout le monde connaît, mais il était interprété par Elisabeth Granek, qui est en fait une ancienne étudiante de l'établissement où j'enseigne. Pierre-Louis Proudhon, Michael Bakounine, Jules Vallès, Jean-Baptiste Clément, Louise Michel, Fernand Pelloutier, Sébastien Faure, Francisco Ferrer, Ernestan, Voline, Errico Malatesta, MD, Léo Campion, Pierre Dac. Vous me direz, mais pourquoi cette liste? Eh bien, tous ces gens ont un point commun. Ils sont tous francs-maçons, enfin, ils étaient tous francs-maçons et tous anarchistes. Ce qui pose, évidemment, la question de savoir... Peut-on être anarchiste et franc-maçon? C'est à la demande d'Axel, qui est à côté de moi pour l'instant, que j'ai accepté bien volontiers de traiter ce sujet qui m'interpelle à titre personnel. Donc je trouve assez intéressant. Je rappelle peut-être qui sont certains de ces personnages. Donc je crois que Proudhon,
Ben là, je crois que tout le monde connaît, c'est je dirais, le fondateur de l'anarchisme en France au XIXe siècle. Bakounine, c'est son pendant, c'est son élève, mais il était quasiment contemporain de je dirais pas de son maître, parce que c'est un mot qui est banni, évidemment, chez les anarchistes. C'est un russe, mais qui a beaucoup voyagé en Europe. Valès, tout le monde connaît l'écrivain. Jean-Baptiste Clément est l'auteur du Temps des cerises. Louise Michel, qui était institutrice, s'est battue au moment de la Commune de Paris en 1871, donc entre le mois de mars et le mois de mai. Mais par la suite, comment ? La pétroleuse. La pétroleuse, exactement. Et elle a été une des victimes, évidemment, de la répression des Versaillais, puisque là, elle a été envoyée très loin pour comme punition de ce qu'elle avait fait. Puis elle est revenue en France, je crois, 10-15 ans plus tard, et elle est morte en 1905. Alors Fernand Pelloutier, connu également parce qu'il a fondé les Bourses du Travail, donc c'était un syndicaliste, pourrait-on dire. Sébastien Faure est surtout connu pour son anticléricalisme. Francisco Ferrer, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a peut-être un mois ici même. Hein, il a été exécuté par l'État clérical espagnol en 1909. On est en train de fêter, entre guillemets, plutôt de commémorer l'anniversaire de sa mort. Voline, alors. Pauline, anarchiste aussi célèbre, il était le compagnon de Nestor Makhno entre, je dirais, 1917 et 1921, pendant la révolte des anarchistes en Ukraine. Je rappelle que les anarchistes en Ukraine se sont battus successivement, mais contre tout le monde, si je puis dire, contre les Allemands d'abord, puis contre les Russes blancs, et puis, quand il n'y avait plus d'Allemands et plus de Russes blancs, ils se sont battus contre les bolcheviks. Contre l'armée rouge, autrement dit, tout à fait. Et ils ont été éliminés, donc, et Makhno a fini sa vie à Paris en 1935-36, si mes souvenirs sont bons. Alors, Errico Malatesta, grand anarchiste s'il en est aussi, je dirais grand anarchiste italien, il a contribué à fonder l'Union anarchiste italienne, dont il a rédigé le programme en 1920. Alors, Léo Campion et Pierre Dac, évidemment, ils sont beaucoup plus récents. Ils sont connus dans le domaine, ce sont des humoristes. Léo Campion s'est également fait connaître comme comédien dans les années 60 dans une série télévisée bien connue. Pierre Dac, je crois que, voilà, ce sont des personnages que tout le monde connaît. Bon, ils sont décédés maintenant, mais beaucoup d'entre nous les ont connus. Donc tous les gens, tous ceux que je vous ai cités, étaient tous anarchistes et francs-maçons. Donc ça pose au moins le problème de savoir où y a-t-il compatibilité entre le fait d'être anarchiste et d'autre part celui d'être franc-maçon. Alors je vais commencer peut-être par deux témoignages de francs-maçons libertaires. Le premier est Charles Davray, et vous allez voir qu'il fait l'apologie de l'anarchie, et ensuite je vous citerai un texte de Léo Campion sur la maçonnerie. C'est une manière, je crois, intéressante d'aborder le sujet. Tout d'abord, la chanson de Charles Davray date du début du XXe siècle et s'intitule « Le triomphe de l'anarchie ». J'ai les paroles, mais je ne connais pas l'air. Donc je vais simplement lire le texte que j'ai devant les yeux. Tu veux bâtir des cités idéales. Détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, casernes, cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme. Ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Et le refrain, qui reviendra plusieurs fois, mais je ne le citerai que maintenant, cette fois-ci, « Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté.
c'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil, reprends la machine. Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne reste pas de la viande à caserne, petit soldat, mieux te vaut déserter. Tous tes élus foulés à la potence. Lorsque l'on souffre, on doit savoir châtier. Leurs électeurs, foi-les d'importance. Envers aucun, il ne faut de pitié. Éloigne-toi de toute politique. Dans une loi, ne vois qu'un châtiment. Car ton bonheur n'est pas problématique. Pour vivre heureux, homme vit librement. Quand ta pensée invoque ta confiance, avec la science, il faut te réconcilier. C'est le savoir qui forge la conscience. L'être ignorant est un être irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire. Ton avenir est dans la vérité. Place pour tous au banquet de la vie. Notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie. Le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit là, pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite. Mais de nos mots, a-t-on la guérison. Deuxième texte maintenant de Léo Campion que je vous citais tout à l'heure, que je mentionnais tout à l'heure. La franc-maçonnerie est un des rares groupements parmi les sociétés de pensée auquel un homme libre puisse adhérer sans rien abdiquer, parce que son adhésion n'est pas un enrôlement, elle n'implique aucune obligation incompatible avec son idéal, parce qu'elle ne nuit pas à sa liberté, n'attente pas à son indépendance, n'amenuise en rien ses convictions. Ces méthodes si particulières de travail, la sérénité de ses tenues, ses traditions et ses rites librement acceptés, ces symboles librement interprétés, une totale liberté d'expression dans la tolérance et la fraternité, un processus initiatique exceptionnel de perfectionnement et d'émancipation des individus dans leur diversité, le maçon libre, dans la loge libre, fait qu'un anarchiste est en maçonnerie comme un poisson dans l'eau. Il faut être un homme libre pour accepter et non pas subir une discipline. Car il n'est de discipline valable que celle à laquelle on se soumet librement et spontanément. Voilà. Si j'ai cité ces deux textes, c'est parce qu'ils me semblent une bonne introduction en matière du sujet qui va nous occuper ce soir. Je compte aborder les problèmes suivants. Tout d'abord, les objectifs, ensuite les principes et enfin l'organisation. Ces trois thèmes pour essayer de voir s'il y a ou non compatibilité entre l'anarchisme et d'autre part la franc-maçonnerie. Je commencerai tout d'abord par les objectifs. La franc-maçonnerie comme l'anarchisme vise tous deux à l'émancipation totale de la personne sur tous les plans. Sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan économique, politique et sociale, bien entendu. Tous deux procèdent par auto-émancipation de l'individu. Dans les deux cas, c'est l'individu, sa part de l'individu, et non pas d'une quelconque autorité supérieure.
Deuxième élément, c'est que aussi bien les francs-maçons que les anarchistes ont un profond respect de l'autre. Troisième élément qui me semble les rapprocher, en tout cas dans leur pensée, c'est que dans les deux cas, il s'agit d'utopie. Dans les deux cas, les anarchistes et les maçons savent qu'ils visent un objectif qui ne sera jamais atteint, puisque par définition, l'être humain et l'humanité sont perfectibles à l'infini. Donc il s'agit d'un objectif à atteindre et non pas d'une société à installer, certainement pas de manière autoritaire. Connaissez-vous, frères et sœurs, l'histoire de l'orateur au discours très comique qui n'avait jamais rien appris de la philosophie ou de la maïeutique, qui préférait à Kierkegaard des blagues de Kordegaard ou plutôt qu'Aristote, à croire que sa vraie mission dans les interventions c'est de faire marrer les potes. Pour réussir un beau discours, disait-il à sa cour, pas besoin de culture, vous prenez une conférence avec la circonstance qu'au moins 2 heures elle dure. Puis quand le vénérable maître demande de faire connaître votre avis maçonnique, vous lui balancez en 2 mots une blague de Toto, c'est ça ma politique. Il y a quelque chose assurément de marrant au Grand Orient. Il pratiquait de jour en jour de plus en plus l'humour, améliorant son style, pêchant dans tout le répertoire des cafés de la gare au bistrot de la ville. La loge remerciant le gars de lune ne désemplissait plus, on refusait des frères, car la foule des visiteurs venait de l'orateur entendre la dernière. Il y avait bien quelques critiques pour dire que le comique n'a pas sa place en loge. Si cette règle est appliquée au sein des ateliers, ici on y déroge. D'ailleurs, n'est-il pas maçonnique de fermer la boutique par une blague écossaise ? Il y a quelque chose assurément de marrant au Grand Orient. Mais le jour de l'initiation, quand les délégations à l'Orient se placèrent, ce n'était pas pour l'impétrant qu'ils étaient là en rang pour voir le nouveau frère. Ils attendaient impatiemment qu'il ait prêté serment entre les 2 colonnes, espérant que vienne le moment où l'orateur marrant en sortirait une bonne. Il commença par une classique, une blague maçonnique brisant soudain la glace, enchaînant par un jeu de mots, un paix et puis un rot, et enfin une salace. L'Orient qui retenait ses pleurs ne vit pas un des leurs qui étouffait de rire. C'était un de l'aréopage dont le dernier voyage s'acheva en fou rire. L'orateur en fut mari, alors on l'engueula, puis on lui pardonna. Et les frères du Grand Convent l'élurent immédiatement Big Boss du Grand Orient. Alors, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce vocabulaire peut-être un petit peu abscon, à certains moments, un peu hermétique, je signalerai que l'orateur en loge n'est pas le conférencier, mais celui qui tient les tables de la loi. Le Gadlu est le grand architecte de l'univers. Ce que l'on appelle l'Orient est le lieu du temple, donc du local où se réunissent les maçons, où se trouvent les principaux officiers dignitaires, le vénérable maître. On parle d'un aréopage. Alors là, l'aréopage concerne en fait des degrés de perfection en maçonnerie, du 19e au 29e degré, et ce qu'on appelle un convent, à la fin, c'est une assemblée générale. Voilà. Alors, je vais aborder un certain nombre de problèmes maintenant ou de sujets qui permettent de voir si anarchisme et franc-maçonnerie sont compatibles. Un élément qui semble en tout cas commun, c'est
l'anticléricalisme. J'ai pas dit l'antireligiosité, mais en tout cas l'anticléricalisme. En effet, la religion n'est pas incompatible avec la franc-maçonnerie. Loin s'en faut. En revanche, l'anticléricalisme dans la franc-maçonnerie européenne, c'est-à-dire continentale, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse en particulier, est quelque chose qui est, je dirais, inscrit dans les gènes de la franc-maçonnerie, puisque les francs-maçons sont opposés à toute forme de dogme, à tout argument d'autorité. Par conséquent, les prêtres ou ceux qui représentent une vérité révélée ne sont pas évidemment, des représentants qui peuvent, aux yeux des maçons, participer au progrès de l'humanité. Alors, il faut signaler également, et c'est toujours du point de vue de l'anticléricalisme, c'est que lorsque l'Internationale, l'Association internationale des travailleurs, dans sa deuxième ou sa troisième version, a été fondée par Lénine, c'est en 1919 si mes souvenirs sont bons, eh bien, cette Association internationale des travailleurs prévoyait dans ses 21 conditions qu'aucun parti qui adhérait à l'internationale léniniste prévoyait qu'aucun de ces partis ne pouvait avoir de membres appartenant à la franc-maçonnerie. Alors on pourrait dire, ben oui, c'est parce que la franc-maçonnerie comprenait ou comprend beaucoup de bourgeois, c'est-à-dire des membres des classes possédantes ou proches, en tout cas des classes possédantes. En fait, c'est surtout parce que les francs-maçons sont des libres penseurs qui refusent toute forme de dogme. Et vous savez que le léninisme n'est pas un exemple de libre pensée. Deuxième élément, après l'anticléricalisme, le problème du secret. Alors, le secret en franc-maçonnerie, c'est un grand mythe, car il n'y a pas de secret. Vous savez que les locaux sont aisément identifiables. Le 27 septembre, lors de la fête de la communauté française, n'importe qui peut aller visiter le Grand Orient, 79 rue de Laeken, près de la place de Brouckère. Si vous allez à Mons, vous trouverez très rapidement où se trouve la loge maçonnique, c'est rue Chizère, juste à côté de la gare, parce que vous avez des symboles maçonniques sur la façade. Si vous allez boulevard d'Avroy à Liège, vous trouverez des compas et des équerres qui ne laissent planer aucun doute. La même chose à Lille, et si vous allez à Paris, par exemple, eh bien, donc, au 16 rue Cadet, vous allez, bien entendu, avoir en grandes lettres, inscrit sur le bâtiment du Grand Orient de France, justement, l'inscription Grand Orient de France. Et donc, si vous avez envie de savoir qui rentre, qui y sort, vous n'avez qu'à vous poster dès 7h ou 8h du soir, et vous saurez évidemment tout de suite qui en est. Donc, il n'y a aucun secret de ce point de vue-là. À Bruxelles, la même chose, ou dans les villes belges. Alors, troisième élément après l'anticléricalisme est le problème du secret de l'appartenance des membres. Donc, tout le monde, les maçons ont le droit de se dire maçon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Troisième élément, le problème de l'engagement. Ah, ça c'est peut-être quelque chose sur lequel les maçons et les anarchistes peuvent diverger, en tout cas quant aux moyens qu'ils utilisent. En maçonnerie, on travaille sur soi-même pour rayonner dans ce que les maçons appellent le monde profane. Il n'y a donc pas d'engagement politique en tant que tel. La preuve, c'est qu'en loge, je veux dire, l'appartenance à l'un ou l'autre parti n'est pas une condition requise. Donc il y a des membres de tous les partis, sauf bien entendu, on n'y trouvera pas des membres de partis d'extrême droite, certainement pas, de partis dogmatiques et de membres de partis liés qui défendent une religion en particulier. Ça c'est sûr, de partis islamistes ou catholiques bien entendu. Il faut toutefois dire que les anarchistes
pour un certain nombre d'anarchistes, il n'y a pas obligatoirement, engagement direct dans la vie politique. Il y a un certain nombre d'anarchistes, et j'en connais, qui estiment que l'anarchisme, est avant tout une révolution sur soi-même. C'est un mode de vie, c'est un style de vie, et qu'il n'est peut-être pas obligatoire, d'aller systématiquement dans toute une série de mouvements ou de manifestations. Donc il y a des anarchistes très individualistes qui n'appartiennent d'ailleurs à aucune organisation. Voilà, je propose un nouveau morceau qui, j'espère, va vous amuser. Seul avec maman, dans un très bel appartement, avenue Louise. J'aime lui tenir compagnie, mais le mardi, jour de sortie, je me déguise. J'accroche à ma veste un bijou, passe un ruban autour du cou, de couleur vive. Je mets ensuite des gants blancs, frais préparés par ma maman, dans la lessive. C'est dans une grande maison où les rencontres se font confidentielles. Une maison avec un bar où il n'y a que des hommes au comptoir et pas de femelle. C'est pas facile, oui, je l'admets, que d'avouer mon doux secret, mais je précise, c'est la faute à mes parents.